Voici la première pierre du nouveau gymnase du Chaudron, gage de bien-être et de bonne santé pour l'avenir des Dionysiens. Cet équipement structurant de 3 millions d'euros viendra compléter l'offre sportive du quartier, déjà bien connu pour être le berceau de nombreux champions du monde. Enfin, nous allons construire ce gymnase qui était très attendu par les habitants du Chaudron, mais aussi par les clubs et les associations du secteur. C'est un gymnase à multi-vocation, puisque toutes les activités sportives pourront être consacrées dans ce nouveau gymnase. Je trouve que ce sera bien. Ça peut réunir aussi les gens du karaté, trouver une nouvelle activité. Il y aura beaucoup de sport, basketball, on a dit volleyball, handball, etc. Je trouve que c'est un bon projet. Ce gymnase dernière génération se veut fidèle aux valeurs écologiques de la ville avec une construction qui respectera les normes haute qualité environnementale. Sa réalisation, elle, vient intégrer un vaste programme de rénovation urbaine du Chaudron. Ça fait partie de tous les investissements qu'on est en train de faire sur le Chaudron. Le téléphérique va arriver. On avait fait des terrains également de sportifs qu'on avait refait sur Calebassier. Il y a une convention qu'on fait avec la SHLMR pour refaire Calebassier, la réhabilitation. Et on va travailler avec la SIDR. On a signé une convention et on lance l'année prochaine la réhabilitation urbaine du Chaudron. C'est un gros investissement pour un grand quartier de Saint-Denis.